Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors déjà très bonne année puisque ça devrait être normalement ma première vidéo mise en ligne si ça marche, parce que j'ai vraiment des soucis avec la mise en ligne. Enfin bref, le Sima One, ça y est, je l'ai enfin. Copie, enfin clone en tout cas du IC3. Hop, on fait le tour rapide ici l'étui. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des coupes. On va refaire le point, je ferai vraiment le détail avec vous. Je vais vous le comparer avec deux autres couteaux. On va voir tout de suite ce que ça vaut ensemble. Alors avant de vous le comparer, on va le voir un petit peu de près. Alors pour l'acier, 7 chrome 17 bobylaine. Alors j'avais testé déjà un Sima, j'avais été agréablement surpris. Celui-là, il était un peu plus gros que ce que je pensais. Donc ici, petite partie pour mettre la main. Voilà, on a l'épaisseur ici du couteau qui est assez conséquente. Très bonne finition, honnêtement, vraiment, tous les détails, même au niveau du tranchant. Alors c'est vraiment un tranchant rasoir. Hop, on va vous montrer ça. Voilà, pas de souci. Vraiment tranchant rasoir sorti de boîte. C'est vraiment bien usiné. On l'a vraiment bien en main, parce qu'ici c'est vraiment bien arrondi. Je sais pas si on va correctement le voir. Et je voulais vous le comparer alors avec deux autres modèles. Alors déjà mon Tops Bob, pour montrer un petit peu la différence de taille. On va zoomer un petit peu. Voilà, avec le Tops Bob. Et avec un autre couteau, si je le retrouve dans mon sac. Voilà. Celui-ci, le Mora. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Alors ça c'est le Mora Black Survival, il me semble. Tac. Donc pour vous donner un peu un ordre de taille. Alors je cherchais moi un plus petit couteau. Donc celui-là c'est celui que j'utilise vraiment le plus souvent, le Tops Bob, parce que vraiment pour plein de raisons. Maintenant c'est de l'acier, vous voyez, je l'ai utilisé aujourd'hui là. C'est de l'acier acier carbone, hein, du 1095. Là on est aussi sur de l'acier carbone mais avec un revêtement. On verra un petit peu ce que ça donne à l'utilisation. Et celui-ci également avec donc un acier inoxydable mais avec un revêtement. Alors premier essai de coupe. Alors ici ça va ressembler à du bambou. Pour vous donner un ordre de dureté. Je vais vous faire une première coupe avec le Tops Bob. Je vais prendre un assez costaud. Voilà. Vous voyez à peu près la taille de la section. On va essayer pareil avec lui. Alors forcément une prise en main beaucoup moins importante. Je vais essayer d'en choper un. Ça marche tout aussi bien. Oups. On va avoir un petit peu du bâtonnage à plat. Je prends une petite massue. Alors ce qui est assez intéressant évidemment, c'est qu'on a quand même une grosse hauteur de lame. Ce qui va nous permettre quand même de bien rentrer dans la matière. Alors ça reste tout de même vraiment petit. On n'a pas vraiment beaucoup de prise en main. Ça rentre bien dans la matière, mais
j'essaie vraiment de faire le bourrin avec. Voilà. Pas évident quand même. Alors pas évident parce que voilà, c'est vraiment petit. Évidemment, je vous compare avec le Tops. J'ai vraiment un peu plus de longueur de lame, je suis un peu plus à l'aise qu'avec ça. Ou effectivement, c'est un peu c'est un petit peu juste, mais bon, ça passe. Voilà. Il n'y a pas de souci au niveau du tranchant, je passe à faire le point. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. On peint en top aujourd'hui. Allez, c'est du bois qui est vraiment hyper dur. Ah, je vais taper sur les doigts. Pas de soucis particuliers, hein. On va voir. Ça écarte assez vite le plat. Le bois, pardon. Là, on est sur une émouture plate. Voilà, pas de soucis majeurs. C'est assez agréable à faire. Parce qu'on l'a vraiment bien en main. Là, c'est juste la bonne taille, par contre. Travailler ici avec l'avant, ici. Retour à la case, il y avait vraiment trop de pluie là-haut, je pouvais pas filmer, donc je continue ici. Donc j'ai pu l'utiliser quand même pas mal de temps, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant je veux juste faire un tour au niveau de l'étui. Alors l'étui, c'est pas du kydex, c'est un espèce de fibre de nylon, donc en gros du plastique dur. Par contre, le gros défaut, c'est ça, ça fait énormément de bruit. Donc quand on le porte à la ceinture, qu'on marche dans la nature, qu'il fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit, etc., ben, c'est super chiant. Alors par contre ça tient, hein. Il n'y a pas de souci, par contre ça fait un bruit métallique, c'est juste atroce. La deuxième chose, c'est l'espèce de plaque de métal qu'ils ont mis derrière ici avec le gros clip. Alors c'est un clip qui est vraiment costaud, hein, comme on peut le voir. Maintenant vous allez le voir porté sur une petite ceinture normale, bah ça va pas être terrible. Surtout qu'on va pas pouvoir venir agripper ici, limite à chaque fois on touche ici, c'est limite, c'est pas coupant mais presque, donc c'est vraiment pénible parce qu'il va falloir venir attraper le couteau ici pour venir le retirer. Donc là c'est de la saleté, le revêtement a bien tenu, ça c'est pas mal du tout, le tranchant pareil, hein. Donc c'est un peu moins efficace qu'avant, donc je l'ai utilisé une petite journée, mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Je vais vous le montrer un peu porté à la ceinture pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, ça sert pas à grand chose, même en le mettant derrière c'est très très petit, on n'arrive pas à passer la main dedans, donc bon, on peut en changer, hein, mais bon, ça sert à rien. Voilà, donc au niveau des mouvements c'est pas gênant parce que vous voyez que ça descend pas mal du tout. Par contre quand je vais essayer de le retirer, bah, regardez ce qui se passe, il va remonter ici, hop, et il va rester un petit peu en l'air l'étui. Donc après on arrive à le sortir assez facilement, mais à chaque fois on va venir toucher un peu sur les côtés, donc je trouve que c'est pas exceptionnel comme étui. Maintenant une fois dedans, voilà, ça bouge pas, mais par contre il y a toujours ce bruit qui est juste ultra ultra pénible. Alors évidemment, comme je vous le disais, en forêt, c'est un petit couteau, donc on n'a pas une grosse amplitude. Des petites branches comme celle-là, bah là ça va sans souci. Quand on commence à attaquer du plus gros, avec le bob, j'ai quand même un peu plus d'amplitude, forcément un peu plus de lame, etc. Donc là je me retrouve un petit peu limité dans certains travaux.
Du coup, je me suis ramené un petit morceau de tamarin. Alors, c'est du bois qui est extrêmement dur. C'était juste pour pouvoir vraiment tester si elle a un petit bâtonnage, parce qu'on aime bien ça. Alors, il n'y a pas de souci au niveau de la pointe, hein, parce que c'est vraiment très costaud. Là, je vous ai dit, j'ai pris un morceau un peu plus gros, un peu plus conséquent. Donc voilà, je ne vais pas avoir beaucoup de passages. Alors là, c'est du costaud, les gars. Waouh! Alors, on va s'arrêter déjà là un peu pour voir ici. On entend doucement le bois craquer. Alors là, forcément, je me retrouve un peu limité, bah, c'est dans la taille. Parce que là, forcément, quand je vais venir ici taper là, bah, j'ai plus trop d'espace. Donc, je suis obligé de venir un peu tenir là derrière pour redresser un peu le couteau. Là, je suis vraiment juste sur la pointe. Il n'y a pas beaucoup qui dépasse. Voilà, ça passe assez facilement. Intéressant aussi forcément le talon dépassant, puisqu'on va pouvoir venir taper dessus à l'arrière sans avoir peur d'abîmer quoi que ce soit. Très costaud. On va voir ce que donne un peu le travail avec la pointe. Donc vous voyez, le revêtement il tient pas mal du tout, hein. Je suis assez étonné quand même. Allez, j'ai vraiment pas pris le bois le plus facile. En tout cas, si ça tient là dedans je peux vous assurer que vous pouvez attaquer n'importe quel bois. Ici, on a des meubles qui sont faits en tamarin. Ils ont plus de 200 ans, ça bouge pas du tout. C'est pas du tout attaqué par les bestioles, ni quoi que ce soit. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que bon, on va pouvoir le tenir assez facilement, vu que la lame est assez haute. Donc, pour ce genre de choses-là, c'est pas mal du tout. Ça bouge pas, hein. On va même insister un peu. Allez, on va faire un peu le bourrin. Ça bouge pas du tout. On peut vraiment s'amuser à faire levier parce que c'est vraiment très costaud. Et pour l'instant, je vous dis, alors, ça rase plus, hein. C'est plus un tranchant rasoir. Mais tout à l'heure, on va essayer, pareil, de voir au niveau de l'affûtage si c'est assez facile à réaffûter. On va revoir un petit peu maintenant tout ce qui est, voilà, ce genre de choses. Alors, je vous dis, pour ça, par contre, je vous l'ai redit, je l'avais déjà fait, mais c'est vraiment la taille, du coup, elle est vraiment idéale. C'est juste pas trop grand. Maintenant, certaines personnes, fans de couteau d'ailleurs, il le dit souvent, lui, c'est pas trop son trip, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on va avoir, plus on va s'éloigner ici, plus on va avoir un bras de levier. Forcément. Si j'essaye d'attaquer là, ma lame, elle va forcer ici, comme ça. Donc, je vais essayer de me retrouver avec le tranchant le plus près de mon point. Maintenant, forcément, ici, j'ai un centimètre où je peux pas attaquer. Je vais commencer à attaquer par ici simplement. Moi, j'aime bien parce que finalement, quand je travaille le bois d'un peu plus près, quand je fais un peu de sculpture, etc., pour ça, je trouve ça pas mal d'être assez près. Donc voilà, maintenant c'est le plus gros défaut, hein. Je dirais que c'est éventuellement sa taille. Il aurait dû être ou beaucoup plus petit ou beaucoup plus long pour moi. On est vraiment obligé de faire très attention, surtout quand on retape. Alors là, c'est pas un souci, c'est pas une très grosse section. Par contre, voilà, quand je me retrouve ici,
Ah là ça devient chaud. Hein. Donc j'ai intérêt plutôt à me mettre comme ça pour venir taper de ce côté. Pour ce qui est des autres prises en main, la prise de main inversée, on l'a vraiment vraiment bien en main. Alors encore une fois, moi je vous le dis, j'ai pas des mains énormes, c'est du 7,5. Donc moi il rentre pile poil dedans. Et là on est vraiment pas mal aussi. C'est le même bois, hein. Vous entendez? Il est vraiment balèze. Alors on va quand même le comparer, je vais le comparer avec le Tops Bob sur le même type de travail pour voir un petit peu au niveau du tranchant ce que ça donne. Alors déjà ce que je peux vous dire par rapport au Tops Bob que j'utilise vraiment régulièrement, à la fin de la journée il a encore un tranchant qui reste quand même meilleur que celui-ci. C'est clair et net. Donc on va voir sur le même travail un petit peu, juste que je vous donne mon avis. Bon bah ok voilà. Là il n'y a pas photo. J'ai beaucoup plus de facilité. Alors c'est pas seulement la taille du couteau, c'est vraiment le tranchant. Là je suis sur une émouture scandinave. Voilà, c'est vraiment plus facile de faire ce genre de travail avec ça qu'avec ce genre d'émouture plate. Bon là voilà, c'est plus du tout. Là c'est pas la même. Là j'ai vraiment du mal à accrocher la matière. Je glisse assez rapidement. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup plus de difficultés qu'avec ce type d'émouture, avec le bob. Voilà, bah là, ça a juste rien à voir. Alors, je force avec les deux. Hein. Mais voilà, le top, une fois que je suis dans la matière, une fois que j'arrive dedans, là. Alors, regardez, là, j'en vois en le... Voilà. Là. C'est pas la même. On y arrive, mais avec beaucoup moins de facilité. Je vous le redis encore une fois, évidemment, il y a une grosse différence de taille. Moi, pour moi, celui-là, il est presque un peu petit pour certaines tâches. J'avais le Boker qui est encore un peu plus long. Voilà. Par contre, lui, il a quand même une masse. Les coupes à la volée, etc. Avec ça, ça marche plutôt pas mal. Là, c'est vraiment... Pour moi, c'est des couteaux qui sont un peu petits. Ils sont un peu bâtards en fait. Ils sont voilà, pour les petits travaux, c'est pas mal. Si on veut ramener que ça, alors encore une fois, c'est une histoire de prix. Hein. Vous avez vu, on fait pas mal de choses avec. Hein. Donc après, si c'est juste pour faire un peu de bâtonnage et laguer pour faire de la place pour son hamac, ça va très bien. Hein. Moi, je vous dis, pour l'instant là, j'ai une grosse préférence pour celui-là. J'arrive pas à retrouver quelque chose de d'équivalent ou de mieux ou de, enfin voilà, il est vraiment ultra polyvalent. Alors encore une fois, un autre petit test, l'écorçage. Là on est sur une émouture scandinave. Voilà, je me retrouve sous l'écorce, ça part tout seul avec ça. Là je rippe un peu au dessus à chaque fois. Faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour atteindre la seconde couche. Petite chose aussi, c'est que quand j'appuie ici, c'est bizarre parce qu'ils ont exactement la même épaisseur. Bah là, j'ai beaucoup moins mal avec le Tops Bob qu'avec celui-ci. Celui-ci, quand j'appuie un peu dessus, là, sans les gants justement, j'ai l'habitude d'avoir des gants en rando. Là, quand j'appuie dessus, c'est un peu pénible. C'est vraiment des arêtes pas coupantes, mais saillantes en tout cas. Et là voilà, regardez, une mouture scandinave, ça n'a rien à voir. Alors je fais pas du tout ça pour démonter l'autre couteau, hein, parce que je vous dis, il est pas trop mal du tout. Mais là, regardez une mouture scandinave, ce que ça fait, on passe directement sous la matière et ça va tout seul. Voilà, avec ça. Pardon. On y arrive, mais beaucoup moins facilement. Alors j'en ai peut-être un peu parlé, mais au niveau des finitions, c'est assez bien fait. Je vais essayer de vous le montrer d'assez près. C'est vraiment bien aligné. Voilà, le micarta, bah voilà, c'est propre. Hein.
tout le long ici. Des petites vis clécipants. Là voilà, pour ceux qui ont envie éventuellement de se refaire ou un étui ou un autre d'autres plaquettes. Maintenant voilà, c'est vraiment l'acier qui, je trouve, et l'acier et le et les moutures qui font un petit peu la différence par rapport à un autre couteau. Je vous dis, en bushcraft, avec une émouture de ce type, on arrive beaucoup plus facilement à faire certaines choses qu'avec ça. Après, ça reste très costaud évidemment, mais faut savoir que sur certaines tâches, c'est beaucoup moins efficace. Alors, pas les grosses tâches comme le bâtonnage, etc. Encore là, je vous ai dit, c'est un peu court, mais sur certaines choses comme ça, voilà, on pénètre moins la matière, je trouve. Et on rip assez facilement. On va essayer d'aller l'affûter un petit peu pour retrouver le tranchant rasoir et voir combien de temps ça peut mettre. Voilà, donc en 10 petites minutes. Alors il n'était pas franchement abîmé non plus, hein, vous avez vu qu'il ne coupait plus rasoir. Donc en 10 petites minutes, j'ai fait un petit peu sur le côté, sur le grain moyen, sur le grain fin et ensuite sur le cuir. Et là, bah voilà. Ça recoupe de façon vraiment plus que correcte. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Alors après, avec le top, c'est pour vous comparer. Alors là, la main est un peu plus grande, mais à chaque fois, voilà, je mets 10 minutes, un quart d'heure après une bonne journée en forêt. Et bah, je retrouve à chaque fois le tranchant rasoir. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de le faire régulièrement, de ne pas attendre que vous ayez vraiment très émoussé complètement le tranchant pour que vos couteaux coupent le mieux possible à chaque fois. Bon, alors pour conclure sur ce couteau, ce Sima One, pour moi il manque un petit peu de longueur forcément. Alors il a un très très bon rapport qualité-prix forcément pour 30€ avoir ça, franchement. Voilà, prix défiant toute concurrence, hein, je crois qu'on va avoir du mal à faire mieux. À ce prix-là, vous n'aurez pas un ici, évidemment. Vous n'aurez surtout pas l'étui qui va avec, parce que encore une fois, je vous le dis, pour moi l'étui, c'est un de ses principaux défauts. Maintenant, le fait que ce soit une émouture plate, vous avez vu sur certaines tâches, c'est un petit peu embêtant. On y arrive, mais moins facilement qu'avec une émouture scandinave. C'est très très costaud. L'affûtage a un peu bougé, évidemment, au bout d'une journée en forêt, c'est normal. Les grosses tâches, bâtonnage, etc., ça lui fait pas peur. Encore une fois, bah, c'est petit, donc voilà, c'est du petit bâtonnage. La prise en main, elle est assez excellente. Ça, c'est un petit peu, ça fait un petit peu mal. Donc, je vous conseille de porter des gants. Ici, les fameux petits crans. Franchement, ça va. Ça pique un petit peu quand on commence à l'utiliser longtemps. Vous l'avez vu, je l'avais utilisé un peu en forêt en layant la ceinture. Bon, ça va, on y arrive. Hein. Je vous disais, je vous parlais de ça. Ça reste quand même, je trouve, un système qui est pas super au top. On arrive à le retirer assez facilement, d'autant plus que ici ça dépasse un petit peu, donc il y a juste à pousser pour venir le tirer. La finition, elle est hyper bien faite. Le revêtement, vous pouvez voir qu'il n'a pas bougé. Alors là, je suis agréablement étonné. Le tranchant rasoir, je l'ai retrouvé en 10 minutes. Donc voilà, ça c'est pas un souci. Donc voilà. Je vous ai montré un petit peu de quoi il était capable. On peut faire un tas de choses encore avec, hein. C'est sûr, c'est clair, c'est net. Maintenant voilà, pour moi c'est un peu court. Moi j'utilise vraiment, je vous ravache encore avec ça, mais pour moi déjà le Tops Bob, il est presque un peu petit pour certaines tâches ici. Celui-là, voilà, son gros défaut, ça va être forcément les coupes à la volée. Là j'ai quasiment pas d'amplitude. Alors je peux venir pareil bâtonner si je veux enlever une petite branche, hein, tac, et venir bâtonner. Vous avez vu le bâtonnage à plat. C'est bien, mais encore une fois, peu de place. Donc voilà, okay, je vous ai montré de quoi il était capable. Moi je vous dis, franchement, pour le prix, vous pouvez y aller franchement les yeux fermés si vous voulez un petit peu, je sais pas, un couteau, un deuxième couteau ou un couteau principal. Je pense que c'est franchement, c'est très bien. Honnêtement, voilà, je vais pas donner de notes, mais voilà, j'ai pas de ici pour comparer, mais évidemment c'est pas le même acier, 10,95, etc. Moi pour l'instant je le trouve pas mal, donc je vais le réutiliser. Je vous ferai un retour d'utilisateur si vraiment je lui trouve quelques autres défauts, mais honnêtement voilà, pas déçu du tout de ce petit objet. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones, bye bye.